Alors nous avons eu le plaisir d'assister aujourd'hui à la nouvelle Sandero qui sort des usines de Somaka appartenant à Renault. C'est un véhicule fabuleux, comme vous pouvez le constater. Ce travail a été fait depuis longtemps et pendant la période Covid, souvenez-vous, il y a eu quelques techniciens qu'on a fait venir de façon spécifique pour faire monter en gamme ces produits-là et pouvoir les sortir. Voilà, c'est des produits qui sortent et qui sont vendus à la fois au Maroc et exportés. Ce sont des véhicules de nouvelle génération et c'est important pour nous. Ce que nous avons signé aujourd'hui avec Renault, c'est une nouvelle étape dans la relation Renault et le Maroc. Comme chacun sait, nous avions avec eux un capacitaire de 400 000 véhicules à Tanger, de 100 000 véhicules ici à Somaka, ce qui fait un capacitaire de 500 000, plus le capacitaire de 200 000 de Kenitra de PSA, de Stellantis, qui fait 700 000 véhicules en capacitaire de production au Maroc. Donc je confirme que le capacitaire de production au Maroc est bien 700 000 véhicules. Okay. Là, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous passons à une nouvelle étape. Avant, Renault avait pris un engagement d'atteindre 1,5 milliard d'euros de pièces fabriquées au Maroc, achetées par Renault et qui sont vendues dans 75 pays. Cet objectif est en train d'être atteint. On parle de 2023, il est en perspective d'être atteint. On a dépassé le 1,2 milliard aujourd'hui, donc le 1,3 milliard, nous y serons en 2023. Et ce que nous venons de passer comme nouvelle étape, c'est 2,5 milliards en 2025, 2,5 milliards d'euros de pièces détachées fabriquées au Maroc, avec un objectif cible de 3 milliards. 3 milliards, ça fait pratiquement 35 milliards de dirhams d'exportation et de consommation de pièces détachées fabriquées au Maroc par le groupe Renault. Ce sont des objectifs révolutionnaires dans ce cas d'espèce, avec un véhicule électrique qui sera fabriqué au Maroc. Voilà, tous ces accords nous amènent à une nouvelle étape dans le secteur de l'automobile qui va vers le véhicule électrique, qui va vers des choses encore plus complexes. Les véhicules qui sortent ici sont en dernier cri, c'est Euro 6. Donc vous avez des usines au niveau le plus élevé de la compétition internationale. Ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est de pouvoir atteindre l'une des meilleures compétitivités, voire la meilleure compétitivité automobile, c'est-à-dire fabriquer le véhicule automobile avec le meilleur coût au monde. C'est ça l'objectif. Personne ne nous a demandé de fixer cet objectif-là. Eh bien, on se le fixe nous-mêmes. On n'a besoin de personne pour nous dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Le Maroc est en mesure d'avoir des objectifs ambitieux. Il a sa jeunesse, ses capacités, ses ingénieurs pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est une journée très importante pour l'industrie automobile marocaine et pour nous, surtout du groupe Renault. On signe un accord de long terme avec le gouvernement qui va ouvrir une nouvelle phase dans la longue histoire du groupe dans ce pays merveilleux, où en fait on mise vraiment sur l'industrie et les compétences du pays dans l'industrie, et on planifie en fait un doublement du chiffre d'affaires d'ici 2030 avec des étapes intermédiaires, avec des objectifs assez ambitieux de localisation et d'intégration de différents modèles sur les marques Dacia et les marques Renault dans les usines de Tanger et de Casablanca. Donc très bien, je pense que ça va être une aventure qui va continuer avec la collaboration des autorités, et je voudrais aussi remercier tous les collaborateurs du groupe Renault qui ont créé les conditions pour que cette signature se fasse plutôt rapidement et dans la confiance totale. Donc merci à tous et on est très fiers d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour doublement important. La première raison pour le groupe, c'est que nous avons révélé la première Sandero fabriquée à la Somaka, destinée à être commercialisée au Maroc à partir du mois de septembre prochain. Un nouveau véhicule, nouvelle plateforme, nouvelle technologie avec la même promesse faite aux clients de contenu, de qualité et de performance. Et la deuxième, c'est que conjointement avec le Royaume, nous avons renouvelé et augmenté notre engagement que nous avions pris devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI
en avril 2016, qui était d'implanter un écosystème automobile avec deux objectifs qui étaient à l'époque d'atteindre 65% d'intégration locale et 1,5 milliard de chiffre d'affaires sourcés au Maroc en 2023. Nous sommes en passe de les atteindre, nous l'avons déjà confirmé. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'aller à 3 milliards à terme et 80% d'intégration locale avec une première étape en 2025 à 2,5 milliards. Ça va générer énormément d'activités, des nouveaux sites, des nouvelles technologies, des nouvelles commodités et améliorer la compétitivité non seulement du groupe, mais de l'ensemble de l'industrie automobile du Maroc. C'est en cela un jour extrêmement dynamique. Décarbonation est un élément important, puisque vous le savez, bientôt certains pays, certaines régions vont mettre des taxes à l'importation sur le taux de carbone des pièces et des composants et des véhicules qui seront importés. L'engagement pris par le Royaume, sous le leadership du ministre El Alami, c'est décarboner très très rapidement l'ensemble de l'industrie automobile, non seulement les constructeurs, mais l'ensemble de la filière, pour pouvoir mettre un label décarboné sur l'ensemble des produits, des pièces et des véhicules que nous exporterons. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important.